prêt pour toi, Jean-Baptiste. On va prendre les œufs bio mimosa à la truffe. Présentation, il y a un accueil. C'est très... de banane. Ça, c'est la truffe. Ça y est, d'hiver, c'est la même d'hiver. Ça y est. Et le potager. Mousse au chocolat. Excellent. Fait tout maison, alors. Hein. Tout est fait maison. Aujourd'hui, on est derrière le port de Nice, rue Bonaparte, et on va, vous savez chez qui ? Pas chez mon papa, mais chez papa, le restaurant. D'ailleurs, il faut savoir que chez papa est l'un des meilleurs restaurants de la rue Bonaparte. Aujourd'hui, troisième tournage. Oula. Bonjour messieurs. Bonjour. Ça va ? Ça va ? Bonjour. Ça va ? Ah bah génial ! On est très contents. Bah, moi aussi. Au taquet. On va avoir un croque-monsieur sur la truffe, frites salade. Le fameux. Après, on va avoir une petite entrecôte du boucher avec frites ou pommes grenaille. Ouais. Avec un petit jus de viande aussi. Donc, alors, en entrée pour toi, Jean-Baptiste, on va prendre les œufs bio mimosa à la truffe. Et en plat, donc les gambas sauvages flambées au Cap Corse. Et pour toi, Jean-Baptiste, les larmes du type nouveauté, mais qui fait un carton en ce moment chez papa. Très bien, génial. Santé, Jean-Baptiste. Ah, chez papa, l'adresse emblématique. Une petite gambas sauvage. Ça c'est la truffe, ça y est d'hiver, c'est la même d'hiver. Ça y est. Ça, donc un peu de truffe râpée. De poivre. Et messieurs, les entrées. Alors, petits oeufs mimosa. Oh, très bien, c'est magnifique. Super. Il y a une petite surprise qui va arriver. Ah, oui, flouté de maïs. C'est magnifique avec ça. Son petit œuf. Waouh. Très très bon. Avec un petit œuf poché avec de la panure sur le dessus. Et donc ça c'est de la truffe d'hiver. Exactement. Avec donc du coup, t'as vu ça, alors ça c'est une de leurs spécialités. Hein. Donc, tu vois, c'est l'œuf mimosa mayonnaise. Tu vois, avec la truffe. Verdict. C'est bon. J'adore. Hein. L'entrée de la maison. Oui, voilà. Les œufs mimosa. J'ai coupé l'œuf poché. C'est la première fois que je vois un œuf poché comme ça. C'est croustillant, c'est fondant. Le velouté de maïs, ça a un côté très léger. Moi, je trouve ça sympa. La première fois que je goûte. C'est croustillant fondant. Donc là, je pars sur ma deuxième entrée, le deuxième tataki entrée, de thon. Hein. Là, un grand classique de chez papa. Et t'as remarqué que chez papa met beaucoup de fruits secs. Oui. Dans la préparation de ses plats et de ses entrées. C'est toujours très très connu. Oui. Antoine est très gourmand. Oui. Et il a toujours peur de manquer quand il va au restaurant. Donc il se dit que pour ses clients, eh ben, il se doit que ça soit très généreux. Attention. Allez, messieurs. Alors. Les gambas, frigola sarda. Donc on a gambas snackée. Oui. Ok. Émulsion de crustacés. Oui. Et en dessous, tu as de frigola sarda. Oula. C'est fameux. Ah, présentation, il y a un accueil. C'est très... de banane. Les larmes du tigre. C'est le bœuf mariné. Ça, j'adore ça. C'est génial. Avec ces belles lamelles. Surprenant. Alors, c'est très, très surprenant. Hein. Ouais. Mais c'est hyper gourmand. Ouais. C'est de la belle gambas. Et santé, hein. Santé. Et avec le vin, tu contrecarres. Moi, j'ai du poisson, toi, t'as de la viande, mais surtout consommance asiatique. Ouais, c'est génial. Donc, le vin blanc passe très bien. Dessus, on a une crème diplomate, crème pâtissière fermentée avec une crème légère à la vanille. Oui. Crumble cacao. Et le potager. Mousse au chocolat. Excellent. Le crumble, la sauce chocolat, elle doit être caramélisée et dans un pot de fleurs pour faire. Un peu de crème légère que je monte. Je fais tout avec un peu de gélatine pour qu'elle tienne bien. Ouais. Je mélange tout, j'incorpore doucement avec la marise pour incorporer. C'est magnifique. Très léger, sans beurre. Comme ça. Pas de pâté. C'est beau, hein. Ça, je mange tout seul, ça. Hein. Bon appétit, Jean-Baptiste. Ce qui est très très surprenant, c'est que c'est très gourmand, mais à la fois c'est très léger. Très bien travaillé, apparemment, c'est son dessert phare du moment. Vous êtes caramélisé, le crumble, le croquant, le craquant. Ah oh là 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 là, c'est bon ça, hein. C'est beau, hein. Ouais, c'est top. C'est gourmand aussi, hein. Waouh. Fait tout maison alors, hein. Tout est fait maison, là. Le dessert, le mozzarella caramélisé, le crumble cacao, le caramel beurre salé. Oh, c'est génial. Merci Antoine. Merci beaucoup, Antoine. Merci beaucoup pour ton accueil, hein. Super repas. Très vite. Hein. Et toujours au top, hein. Ouais, bon. Et on baisse pas en qualité, c'est ça qui est beau, hein. C'est gentil. C'est ça, merci. Tout pour. Merci beaucoup.